de ce midi, en fait, j'ai pris la base d'hier soir, donc ma salade tomate, saumon, salade, olive, etc. Et j'ai rajouté des pâtes en plus, comme ça, ça me fait une sorte de glucide. Et ce soir, j'ai un entraînement sur piste, donc j'en ai besoin. Changement de programme, ce soir, ça devait être piste, mais bon, mauvaise coïncidence dans les agendas avec William. Du coup, je fais un petit run pépère avec une collègue. Et là, on est sur le pont des arts. Thug Life au bus. Je voulais me passer devant, mais brah, que dalle. Taxi, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Eh bien, on s'est préparé une petite assiette gourmande, mais plutôt légère. Alors, nous avons ici des carottes râpées que je râpe en grande quantité, comme ça, ça me fait plusieurs repas. J'en ai mangé ce midi, de la salade avec des olives. Et là, c'est du blanc d'Inde avec du carré frais roulé à l'intérieur. Donc c'est du carré frais 0% et donc c'est top parce que ça fait une bonne dose de protéines. Donc il y a des légumes, il n'y a pas de glucides ce soir parce que j'ai faim, mais je pense qu'avec ça je vais être largement calée. Bon, hier j'étais de repos parce que je pouvais pas aller courir le soir, c'était compliqué, j'avais un pot de départ. Et là ce soir je devais y aller, mais franchement je suis morte, je suis dans un état, il est super tard. J'ai eu du boulot en fin de journée et là je suis trop morte, donc franchement j'ai même pas envie d'aller courir, en fait je suis vraiment fatiguée, je vais dormir tout de suite. Bon, il est 20h30, là je vais clairement aller dormir direct et je me lèverai demain matin pour aller courir, mais je pense que cette semaine du coup il y aura pas de fraction, pas de vitesse, mais tant pis si ça me porte préjudice dans une semaine, on verra bien, mais là je suis juste chaos technique. Il est 10h-10 et là, je vais aller dormir. Je suis juste explosée. Je suis en PLS dans mon lit. Je pense que là, la fatigue se fait sentir. Et l'accumulation en fait des dernières semaines aussi. J'ai un mal de crâne de malade. Je commence à avoir le nez qui coule. Là, c'est pas facile. Hein. Donc, j'ai loupé l'entraînement de ce soir. Je me sens trop mal. Mais je pense que j'en ai quand même vraiment besoin. En fait, je fais du sport 6 jours sur 7 en ce moment. Et même quand je suis off, en fait j'arrête pas, soit je sors pour voir des potes parce que du coup c'est les 7 jours où je peux me créer une vie sociale, soit j'ai beaucoup de travail donc dans tous les cas je finis tard, soit je vais faire un autre sport, soit je bouge, en fait je peux pas m'empêcher de faire quelque chose. Donc là ce soir je suis keblo dans mon lit. La semaine 5. La semaine 5 c'est pas passé comme prévu. Je suis assez contente des entraînements que j'ai fait, mais j'en ai pas fait assez. J'en ai fait que 2 sur 4 en course à pied. Heureusement j'ai réussi à faire 2 séances de renfo. Donc bon, je me console avec ça. J'ai un petit peu peur pour la semaine prochaine. J'essaye de me dire que c'est qu'une course,
qu'il y en aura d'autres, que de toute façon, en fait, au final, là, j'ai déjà retrouvé un niveau un peu plus correct, convenable. J'arrive à accélérer de manière assez facile. Puis je prends du plaisir quand je suis en 5 kilos. Donc c'était aussi un peu ça, dont il était question. J'ai essayé de vous faire un focus alimentation, comme vous l'avez vu. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en regardant les vidéos au fur et à mesure, en les montant, je me suis rendu compte que au début de la semaine, je suis quand même très carrée et tout. Et arrivé le jeudi soir, bon là j'avais un peu de départ, ça part en cacahuète. Donc j'ai pas très bien mangé jeudi soir. Vendredi, j'ai juste rien mangé. Comme j'étais crevée, j'ai mangé une pomme, je suis allée me coucher. Ce qui est pas du tout idéal. Ça sert à rien de pas manger. Hein. Voilà. Donc je vous montrerai un petit peu moins ma bouffe. Je pense la semaine prochaine, parce que du coup vous avez un peu compris l'idée, et puis ça fait en fait pas mal de choses à filmer, donc c'est pas forcément l'essentiel dans ces vidéos. Voilà, écoutez, merci beaucoup de m'avoir regardé. La semaine prochaine, dans la vidéo, vous verrez si j'ai réussi à me rapprocher au maximum des 46 minutes. On verra bien. En tout cas, je pense vraiment que ça va se passer dans la tête. Parce que les jambes, je pense que je les ai, mais j'ai l'impression que j'aime pas me faire du mal en fait. J'aime pas me mettre dans le rouge au point. J'aime pas courir au point de me mettre dans le rouge en fait. J'ai l'impression. Donc peut-être que c'est juste que les 10K c'est pas fait pour moi. Et c'est aussi un bel enseignement. Mais...